y a des matchs de foot et puis il y a ce match si particulier entre ces deux équipes. La pression monte, coup d'envoi dans quelques instants. Bonsoir à toutes et à tous, quel privilège de vous retrouver depuis Anfield. Une grande soirée de foot nous attend. Omar, et oui c'est lui, Benjamin, bien sûr c'est moi. Nous sommes aux premières loges pour vous faire vivre cet événement du foot anglais au menu de cette retransmission avec une rencontre de Première Ligue, Liverpool contre Arsenal. Et oui, on est là pour discuter, crier, applaudir, c'est ça le football. Le football, sa parole, c'est pas du football. Voici la compo de Liverpool. Dans le but, c'est Alisson Becker. Luis Diaz sera avec Gakpo sur les ailes. Et enfin, en attaque, ça... Oh, c'est dangereux, ça. Attention. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Oh, la faute en pleine surface de réparation. C'est donc un pénalty. Peut-être le 1-0. Oh, le gardien s'interpose sur ce pénalty. Konaté. Bon, j'ai pas envie de lui porter la poisse, évidemment, mais on s'attend tous à un gros match de sympa. On l'a jamais vu transpirer avec le ballon dans ses pieds. Tout est fait avec une grande sérénité et un calme olympien. Il a une force de caractère qui l'empêche de ressentir la pression de l'adversaire. Passe qui est intercepté. Alexander Arnold avec le ballon. Et peut-être l'occasion de marquer. Et la belle parade là. C'est bien parti pour ce corner. Le corner ne donne rien. Ballon renvoyé par les défenseurs. Et c'est pour Alexander Arnold. Danger pour la défense avec ce centre dans la surface. Capté sans trop de problèmes par le gardien. Gabriel Jesus. Pour Martin Odegaard. Odegaard avec le ballon. Martin Odegaard. Intervention du gardien. Saka qui s'applique. Le danger est éloigné. William Saliba reçoit le ballon. Un ballon facile à saisir. Konaté. Bonne intervention. Le ballon est gagné. Gomez. Luis Diaz avec le ballon. Kai Havertz, là, qu'est-ce qu'il va faire? Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Là, il y a une position de hors-jeu signalée. C'est sifflé par l'arbitre. Diogo Jota avec le ballon. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Et le tir vers la cage désertée. Oh, l'arrêt, mais ce n'est pas fini, attention. Ouais, nouvelle intervention du gardien qui s'empare du ballon. Aïe, 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 ballon perdu. Luis Diaz reçoit le ballon. Oh, le ballon intéressant.
et le duel tourne à l'avantage du gardien. Oui, il s'est bien mis en opposition, ce qui a permis de bien boucher les angles des frappes. Et là, le ballon est renvoyé sans aucune difficulté. Gabriel Martinelli. Ouais, bonne intervention. Une possibilité là pour centrer. Goal, 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 goal. Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. On le voit, le centre qui part, tout le monde qui regarde et qui lâche son adversaire direct des yeux. Et pour finir, la conclusion de la tête. Du début à la fin, c'est une action magnifique. Le jeu reprend après ce but concédé par Arsenal. Gabriel, ça joue avec Declan Rice maintenant pour le gardien. Saliba. Et ça joue avec Kai Havertz. Eh oui, c'est bien défendu. Et le panneau indique que nous aurons 2 minutes de temps additionnel. Diogo Jota avec le ballon. On la frappe. Et oui, but. Encore un. Un nouveau but pour assommer complètement l'adversaire. La victoire se profile et elle est belle. Tu récupères le ballon très haut, tu peux de suite à te procurer une action dangereuse. C'est bien joué. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Et voilà l'arbitre qui siffle. C'est la mi-temps, ici à Anfield. Et pour l'instant, sur le front de l'attaque, c'est timide. C'est une prestation plutôt décevante de sa part. En effet, mais je crois que tout ça est lié à un manque de présence dans le dernier tiers du terrain. Si tu ne t'approches jamais des buts, tu ne risques pas de revenir au score. Liverpool fait la course en tête, c'est le début de la seconde période. Oh, la faute, là, sur ce tacle, attention, que va dire l'arbitre là-dessus? Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Et ça joue sur Diogo Jota. McAllister. Pour Gravenberg. Ah, il faut centrer là-dessus. Diogo Jota, la frappe. Et la frappe puissante passe de peu à côté. Declan Rice. C'est en direction de Saliba. Ouais, c'est une bonne progression, ça, balle au pied. Gravenberg. Luis Diaz reçoit le ballon. Luis Diaz en bonne position. Oh, c'est contré.
Van Dijk. Alexander Arnold avec le ballon. Avec Diogo Jota. Ah, c'était très dangereux, mais c'est une très bonne intervention. De l'espace pour Arsenal sur le côté. Il s'est pas très bien défendu et donc il y a un coup franc pour l'adversaire. Et ça joue sur Saka. L'idée était bonne, mais la finition, beaucoup moins. Il va falloir rapidement se relancer pour recoller au score. Oui, faute, mais l'arbitre laisse l'avantage à Liverpool. Bon ballon en profondeur. Le dernier mot à la défense, ballon bien renvoyé. McAllister. Luis Diaz. Et le ballon est renvoyé, attention. Et la défense s'en sort. Declan Rice. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Et la bonne entente sur cette passe. Oh, et ce nouveau but, il vient alourdir un peu plus l'addition. 3 buts d'écart maintenant. Le contre, c'est aussi très beau à regarder. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la vitesse d'exécution et la volonté de prendre tout de suite la profondeur. La conclusion de cette action, c'est une frappe assaisonnée avec de l'huile piquante. C'est reparti dans cette rencontre et ça va très bien évidemment pour les Reds avec 3 buts d'avance. Martinelli. Zinchenko. Saliba reçoit le ballon. Odegaard. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Le ballon dans la profondeur. Luis Diaz reçoit le ballon. Gravenberg. Oui, il arrête, mais le danger est encore présent. Et finalement, ça ne donne rien. Havertz. Martinelli. Ça joue avec Declan Rice maintenant. Le ballon pour Gabriel Jesus. Ah, il faut s'appliquer sur la passe, c'est perdu. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Et malheureusement, ce contre ne donne rien d'autre qu'un ballon rendu à l'adversaire. C'est la dernière minute du temps réglementaire. Ah, il n'arrive pas à conserver ce ballon. Des solutions en attaque là. Et ça joue sur Martin Odegaard. Oh, le mauvais geste sur une occasion nette de but. Attention, attention à la couleur du carton. Et oui, la faute est très claire. Elle anéantit une action de but. L'exclusion est méritée. Oui, d'ailleurs, l'arbitre n'a pas hésité une seconde avant de sortir le carton. Et voilà, c'est le moment pour faire un changement. Oui, bien fait de la part du gardien. C'est bien tiré par Saka. Alisson qui vient boxer.
Le coup de sifflet final et donc cette rencontre qui se conclut par une victoire de Liverpool. Toute l'équipe a mis de l'énergie et de l'ambition pour remporter ce match. C'est une victoire largement méritée. Dans ses prises de balle, dans ses déplacements, Cody Gakpo a été un modèle aujourd'hui pour son équipe. La qualité est là sur ce but, on l'a vu, c'est évident. Le talent, il ne se cache pas, il se proclame. Il ne faut pas banaliser sa performance du jour.